Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Je vois que enfin on a réussi à faire une salle presque pleine en fin de saison, mais la saison prochaine on fera bourré. Seulement on a un tout petit problème, un problème de... qui a quand même son importance, c'est que notre baryton André Cador a une pharyngite depuis à peu près 8 jours. Mais comme vous connaissez, les petits Belges sont très solides, il va quand même chanter avec quelques piqûres dans la gorge, mais enfin, s'il y a quelques rayons qui passent, garez-vous, on ne sait jamais, ça peut faire mal. Mais je crois que ça ira très bien, comme d'habitude, parce que l'opérette est toujours à Bruxelles, et j'espère qu'elle y restera encore bien longtemps. Thank you.
gentil pour moi. Vous pouvez être sûr, je ne vous oublierai pas. Ah. Et à mon retour, mon premier spectacle sera pour vous. Ça me laisse froid, mais quand j'entends Sylvain, c'est du feu, mon vieux, du feu, ça. Ah oui, alors, mais qu'est-ce que tu veux? Sylvain n'est pas comme les autres femmes. Elle est éblouissante, ensorcelante, grisante, tourbillonnante, envoûtante. Oh, 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 c'est plus un compliment, c'est un inventaire. Je dirais, elle est tout à fait comme moi, quoi. Oh, ben dis donc, tu bouges pas. Comme toi, quand même. Mais oui, mais écoute, mon vieux Vernis, réfléchis un instant. Je viens de te le dire. Sylvain n'est pas comme les autres femmes. Non. Eh bien, moi, je ne ressemble pas aux autres hommes. Mais non, imagine-toi, lorsqu'ils vont se coucher, oui, moi, je reste ici. Lorsqu'ils se réveillent, je m'endors. Pour un oisif, c'est très fatigant. C'est vrai. Je ne sais pas si tu sers à grand-chose, mais si tu n'existais pas, mon vieux, il faudrait t'inventer. Allez, t'es mon ami. Top là, mon vieux. Je la top. Oh, Michka, ici. Dis, va préparer le buffet, car j'offre ce soir un grand souper en l'honneur de Sylvain. Tu n'escortes pas avec Michka? Mais c'est vrai, Mais monsieur le comte! Oh, monsieur le comte! Allez, dépêche-toi, monsieur le comte, va préparer tout ça! Ah, c'est vrai, notre Sylvain nous quitte. Demain, l'express pour Trieste et ensuite le bateau vers l'Amérique. Ah, mais dis donc, mais que dit tout cela, le prince Edwin? Il est amoureux fou, tu sais, Edwin. Oh, t'inquiète pas, en amour, rien n'est jamais mort. Sinon, il y aurait longtemps que je serais un cadavre ambulant. Mais dis donc, ça me fait penser, on ne l'a pas vu ici ce soir, il n'a pas voulu assister à la soirée d'adieu. J'ai reçu un télégramme. Ah, un télégramme qui vient de Vienne. La famille sent quelque chose entre lui et Sylva et... ça ne paraît pas très catholique aux yeux du... Enfin, très catholique, je veux dire orthodoxe. Non mais écoute, mais enfin, tu dis vague, mon cher Bonny. Mais enfin, rends-toi compte, Sylva et Edwin, c'est l'amour avec un grand A, aussi grand que l'hôtel Hilton. Je connais d'ailleurs un autre couple où c'est encore plus grand que l'hôtel Hilton. Alors comment veux-tu que Sylva et Edwin se séparent? Mais alors... Eh bien, dis-toi bien que ce roman finira mal. Pourquoi? Mais parce que jamais Sylva ne pourra rentrer dans cette famille noble d'Edwin. C'est un peu comme la sauce Grimiche. Je ne vois vraiment pas. Écoute, tu es très intelligent, Bonnie. Mais je ne vois pas le rapport Edwin-Sylva et la sauce Grimiche. Bon, ça va. Je vois que tu ne comprends pas grand-chose en culinaire. Cuisine, non, cuisine. Mais alors, je vais prendre un exemple plus simple. Oui. La vinaigrette, tu connais? Ah, la vinaigrette? Oui. Et la vinaigrette, et alors? Eh bien, c'est la même chose, mon vieux. D'un côté, tu as l'huile, de l'autre côté, le vinaigre. Tu as beau les mettre ensemble et les agiter, ça ne se mélange jamais complètement. Ah bon? Eh bien, la famille d'Edwin, c'est le vinaigre. Eh oui, bien sûr. Nous les aimons, ces petites femmes de cabaret. Ah, c'est vrai. Seulement, voilà, dans notre monde, on ne les salue pas. Et pourtant, Bonnie, toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Nous connaissons très bien les choses de l'amour. Ou à des degrés très différents, bien sûr. Toi, tu serais plutôt la tête, et moi, je serais plutôt les jambes. Ah! Et puis, nous avons fait les classes ici, à l'Eldorado. N'est-ce pas, messieurs? Oui. C'est une merveilleuse école, l'Eldorado. Mm. Avec de bien jolies maîtresses. Oh oui, voilà. Maîtresses. Nous aimons faire la noce et rouler notre bosse dans tout ce joli monde des variétés. À la vacance de pousse, vraiment la vie est douce. Je ne connais pas de plus beau métier. Nous avons le cœur tendre, nous aimons nous détendre dans les bras des vieux de la revue. La danse, des rires et des baisers, ce que tout le monde pense, vous le devinez. Et nous aimons bien papillonner, et nous aimons bien taquiner. C'est le moiselle, les gazelles, les jolies minois de la soirée. Les petites demoiselles, demoiselles, ne prennent pas l'amour tragique. Elles charment, séduisent les demoiselles de cabaret. Les hommes, c'est très logique. Les petites demoiselles, demoiselles de cabaret, comment pourraient-elles rester fidèles?
chaque changement. Elles prennent un nouveau venu et nous aimons une autre belle. L'ardeur qui nous anime nous donne bonne mine, même si nous prenons la nuit pour le jour. Pour apprendre nos rôles, nous allons à l'école. Le théâtre, c'est l'école de l'amour. Tout a un air de fête dans nos cœurs en goguette. Et l'on voudrait que ça dure toujours. Et que ça dure toujours. Et c'est ici que l'on fait heureux le poisson dans l'eau. Et ici que l'on s'égosie à faire le tour. Ce qui ranime l'ardeur s'empare de notre cœur. C'est la jeunesse, la maîtresse, les petites demoiselles que tu m'avais. Les petites demoiselles, demoiselles que tu m'avais. Ne prennent pas l'amour tragique. Elles charment, séduisent les demoiselles cabaret. Les hommes, c'est très logique. Les petites demoiselles, demoiselles cabaret. Encore un. Eh oui, toujours, tu es convoqué devant le tribunal. Un télégramme par jour, c'est une fantasmagorie. Non, c'est un télégramme. Affaire avec Chansonnette doit prendre fin. Tu compromets toute la famille. Si tu ne te décides pas à rentrer immédiatement à la maison, nous trouverons bien le moyen de t'y contraindre. Eh bien, je suis curieux de voir comment monsieur mon père pourrait m'obliger à changer d'avis. Mais enfin, Edwin, ne fais pas de bêtises. Pourquoi tu ne rentrerais pas? Parce que je ne veux pas, et même si je le voulais, je ne pourrais pas. Enfin, écoute, à quoi sert d'attiser comme ça la hargne de ton père qui grogne comme un bulldog? Je t'en prie, un peu de respect. Bon, enfin, c'est la même chose, hein. Et puis, et Sylvain qui n'est quand même pas un élément... qui est quand même un élément indispensable dans cette histoire, s'embarque demain pour la mairie. Elle ne partira pas. Elle restera parce que je le veux. Et s'il le faut, j'emploierai la force. Oh là là, dis donc, ce sera pas la mer calmée, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. Alors fais tes bagages. Non. Non, enfin, mais pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas de bagages? Parce que pour moi, il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'elle, mais enfin, il y a d'autres femmes à aimer. Non, pour moi, il n'y en a pas d'autres. Bonnie, ah. Quelle belle surprise. Et vous, prince, vous voilà enfin parmi vous. On m'a remis votre message. Si, enfin, ferme ça, quoi. Tu vas attraper froid. Et puis, ça ne m'étonne pas qu'il t'arrive d'état d'ennui. Sylvain, il faut que je vous parle. Je ne veux pas maintenant, il faut que je me change. Nous verrons cela plus tard. Et de toute façon, je suis très fâchée. Ah. Vous n'êtes même pas venu à ma soirée d'adieu. C'est parce qu'il n'y a pas d'adieu, je vous interdis de partir. Et moi, je vous interdis de m'interdire quelque chose. Je sais ce qu'il me reste à faire, je pars avec vous. Quoi? Ah, mais non, pas question. C'est moi qui pars avec elle. Ah bon? Oh, tu prendras le prochain bateau, mon vieux, chacun son tour. D'ailleurs, si t'es mon ami, tu comprendras, t'es mon ami. Toi, mon ami, tu es un hypocrite, tu caches ton jeu. Tu es toi-même amoureux d'elle. Oh, je ne dis pas non. Ah, voilà. Non, mais seulement, moi, je n'en fais pas une affaire d'État, moi. Je cache mon aimant, moi. Oui, oui, oui. C'est vrai, quoi, au fond.
toute façon, moi, les femmes, je ne cours pas après. Ah. Non, non, je ne cours pas après. D'ailleurs, tu sais, là, la petite Juliette. Oui. Eh bien, elle est actuellement à la confiserie. Moi, je suis là. Oui. Et je ne ferai pas un pas plus vite que l'autre pour aller la rejoindre. Pas un pas. Non. Les femmes, moi, ça ne m'intéresse pas. Bonnie, écoute, attends. Oh, c'est Juliette, justement. Tu es sérieux. Je vais juste faire un petit tour, voir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Oh, écoute-moi. Sois prudent. Ah, c'est facile à faire, les sermons. Être prudent, qu'est-ce que cela signifie? Oh, je finis par comprendre. Je finis par me demander si vous avez un cœur. Je finis par me demander si tu m'aimes. Si je t'aime. Sylvain, voilà 2 mois que j'ai quitté Vienne. 2 mois que je suis absent de chez moi, que je suis brouillé avec toute ma famille, et tout cela à cause de toi. Je ne t'en fais pas reproche. Mais voilà 2 mois que je suis fou, amoureux fou de toi. Et cela depuis notre premier regard. C'est une ivresse passagère. Vous m'oublierez très vite. Sylvain, Sylvain, tu ne me comprends pas. Oh, Edwin. Edwin. Edwin, ce soir, c'est ma dernière soirée. Il me reste bien peu de temps. Sylvain, je t'aime, c'est vrai. Il faut me croire. Je n'ai plus que quelques heures. Edwin, ce soir, je voudrais être heureuse. Sylvain, je ne peux pas vivre sans toi. Je te jure. Tu dis cela maintenant. Mais cela passera très vite, tu verras. Tu en trouveras une autre. Une autre, beaucoup plus jolie que moi. Non, Sylvain. Je voudrais être heureuse. Ce soir, je voudrais vivre intensément ces quelques heures. Jamais je n'aimerai une autre femme. Peut sembler magique, car on n'aime qu'une fois. C'est un moment magnifique, il est arrivé pour moi. Le cœur n'est pas un sujet docile, il sait nous mettre en émoi. En me repoussant, tu es habile, mais je suis plus fort que toi. Oh.
petite chatte. Oh, comme elles sont mignonnes. Oh, ces petites plumes, ça me fait éternuer. J'ai décidé de changer de métier, mes enfants. Oui, oui, oui. Ah, oui. Je quitte l'Eldorado. Oh, mais où vas-tu passer tes nuits? Oh, je ne sais pas, n'importe où, mais c'est terminé de vivre quand les autres dorment. Moi, ça me fatigue, ça. Oui, je suis très fatiguée, très fatiguée. Alors, j'ai décidé de changer de métier. Voilà, comme on dit que le travail, c'est la santé, je vais travailler, j'espère me porter mieux après. Voilà. Et oui, adieu l'amour. Et je vous le dis, je vous le dis, je vous le jure. Et quand je jure quelque chose... Vous êtes sûr qu'il fera le contraire? Bon, ben c'est gentil, ça. Quand on a chanté et qu'on a dansé tout l'été, et qu'on a souvent soupé, on drague bien frappé. Quand on s'aperçoit qu'ici-bas tout est vanité, devant ces calamités, on doit déchanter. Le destin vous prend souvent d'entrer au couvent. Mais hélas, on s'aperçoit qu'il est trop tardé pour toi. Ah, on peut se passer d'entendre la radio, d'autant que parfois c'est complètement idiot. Alcoolique. En Amérique, on ne boit que l'eau. On peut se passer d'aller au cinéma ou bien d'aller jusqu'à Yokohama. On peut se passer d'automobile, on peut se passer d'INIL, mais l'amour, on ne peut pas. Mes grands-parents décidèrent de marier leur petit enfant, me trouvant plus d'un parti, forme à la sortie. Des jeunes filles ont deux crochus, ont dû un peu tordus. N'est pas un sou de chic, mais beaucoup de fric. Du mariage de raison, vous ouvrez la prison. Quand est-elle jolie, minois? As-tu mariage et pourquoi? Ah, on peut se passer d'entendre la radio, d'autant que parfois c'est complètement idiot. On peut se passer d'automobile. De l'eau. On peut se passer d'aller au cinéma ou bien d'aller jusqu'à Yokohama. On peut se passer l'automobile, on peut se passer de vie et de mille, mais d'amour on ne fait pas. Thank you.
triste. Je veux que ma dernière soirée soit très gaie. Nous allons rire, chanter, boire, danser comme des fous. Et puis après, vite, vite, les ceintures du parabais et pssst. Et alors, allez bien manger quelque chose. Non, non, je préfère boire quelque chose. Oh. Celui qui m'aime me donne une coupe de champagne. Ah! Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. Et je bois à mon retour. Moi, je bois au moment présent. Pour ma part, moi, je bois au passé. Mesdames, messieurs, la direction de l'Eldorado vous invite au foyer des artistes à une tournée générale en l'honneur de Sylvain Varesco. Oh. Ah. Allez, mes amis, je vous rejoindrai tout à l'heure. Amusez-vous bien. Je suis tellement heureuse. Le plus possible, ça se comprend. Oh, si vous saviez, mais vous ne pouvez pas deviner. Je rassemble toutes mes forces. Je ris, je ris. Je n'en peux plus. Tu ris, tu pleures et tu ne sais plus où tu en es. Bonnie, passe-moi un mouchoir. Tiens, prends ceci, t'en auras peut-être assez. Oh, je ne sais pas pourquoi. Subitement, je craque. J'ai tellement pensé à... À la maison, à ma mouchka, à papouchka, à mes sœurs qui sont là-bas, à Kiskukulo. Ah oui, Kiskukulo. Le petit village où les petits cochons roses se promènent dans l'ombre blanche des pommiers. Sylvain, pourquoi triches-tu avec toi-même? Moi, je... Mais oui, tu triches. Mais non, pas du tout. Est-ce que tu m'aimes un peu? Beaucoup trop pour un jour de départ. Eh bien, mes enfants, si vous voulez bien... Vivons à n'importe quoi, à la jeunesse, à l'amitié, et surtout, à l'amour. Thank you.
l'annoncer tout de suite à son Altesse, le prince Edwin de Liebensdorf. Belle société. Ronsdorf, c'est toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, tranquillise-toi. Mais alors, quel est le but de ta visite? C'est simple. Tu dois rentrer à Vienne, immédiatement. Immédiatement? Lis ceci. Un ordre de rappel. Avec mention personnelle du commandant de corps. Demain, aujourd'hui, 11 mai, à 11h30 du matin, tu dois être à Vienne. Mais maintenant, je n'ai pas de train. Ma voiture t'attend dehors. C'est une histoire cousue de fil blanc. C'est un coup monté par mon père. Eh bien, je ne pars pas. Tu es officier, non? Tu as reçu un ordre. Et si ton père a provoqué ce rappel, je lui donne raison. Ronsdorf, je te prie de dire à mon père que... Je te parle comme un vieux camarade et cousin. Avec ta chanteuse de cabaret, tu nous compromets. Je vous compromets parce que j'aime une honnête fille et que je veux l'épouser. On a déjà vu des princes épouser des actrices, non? Ça, mon cher, ça n'arrive que dans les opérettes. Non, mais enfin, un prince de Liebensdorf épousant une théâtreuse, ce serait grotesque. Je ne te permets pas. Edwin, personnellement, je n'aurais pas un regard pour un tel genre de femme. Et pourtant, je suis un homme plus libre que toi. Toi qui as une fiancée qui t'attend à Vienne. Stasi n'est pas ma fiancée, c'est une cousine, tout simplement, un amour d'enfance. Insignifiant. Tu t'es pourtant fiancée avec elle. Mais il y a 5 ans de cela, à ce moment-là, Stasi était une enfant. Vous n'allez pas prendre cela au sérieux. Non. Stasi l'a pris au sérieux, elle. Et tes parents aussi. Le mariage est pour bientôt. C'est ce que nous verrons. Eh bien, prince, que se passe-t-il? Oh, pardon. Restez. S'apprécie. Restez, je vous en prie. Quelle belle femme. Permettez-moi de vous présenter mon cousin, le lieutenant von Ronsdorf, mademoiselle Sylvain Marevsko. Lieutenant, vous voudrez bien participer à notre petite fête, oui, n'est-ce pas? Non, il ne peut pas. Il doit partir. Enfin, nous devons partir. C'est-à-dire que... Je viens chercher Edwin. Ah? Oui, un ordre de rappel. Je dois me rendre ce matin même auprès de mon commandant de corps. Pour une raison impérieuse. Et c'est... très urgent. Ainsi, nous aurons une double soirée d'adieu. Mais enfin, expliquez-vous, sacrebleu. Dans quelques heures, je prends le train pour Trieste, où je m'embarque pour l'Amérique. Mais c'est parfait. Merveilleux pour les Américains, naturellement. Je dois rejoindre nos invités. Lieutenant, il est dommage que vous ne puissiez rester parmi nous. C'est dommage pour moi, surtout, mademoiselle. Oh, mademoiselle. Lieutenant. Ne te fatigue pas. Je trouve que tu es vraiment très galant lorsqu'il s'agit d'une théâtreuse. Je peux tout de même la regarder, non? Allons, viens, Edwin. Il est grand temps de partir pour Vienne. Est-ce que tu me comprends maintenant? Oui. Allons, viens. Accorde-moi encore une demi-heure. Je voudrais être un moment là auprès de mes amis. Ensuite, tu pourras venir me chercher. Mais... je te suivrai, je te le promets. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on m'annonce? Ce vieux Ronsdorf est là! Alors, vieille branche de général, comment vas-tu? Lieutenant. Je te croyais mort. Ce sera pour une prochaine fois, t'inquiète pas. Ça viens me chercher dans une demi-heure. Pas une minute trop tôt. Je serai ponctuel. Je te fais confiance, cher cousin. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est simple. Edwin doit quitter Sylva. Ceci est dit pour la énième et dernière fois. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Il est fiancé. À qui? À la comtesse Stasi, sa cousine. Enfin, il ne m'en a même jamais rien dit, pas un mot. C'est pas difficile à comprendre, c'est la cause de cette Sylva Marevsko. C'est son père qui a provoqué ce rappel, parce qu'il fait un danger. Et il a même déjà fait publier l'annonce des fiançailles. C'est pour ça qu'Edwin doit rentrer à Vienne immédiatement. Tiens, vois toi-même. C'est pas vrai. Oh là là, bonne mère, qu'est-ce qui va lui arriver? Oh là là, il faut que je montre ça tout de suite à Sylva. Ah non, pas avant qu'Edwin soit parti. Mais dis donc, elle va en faire des yeux quand elle va voir ça.